Bonjour peuple congolais, donc c'est le thé africain qui vient encore vers vous. Donc, nous allons parler des bonnes choses. Toujours 8%. Mes chers compatriotes du Congo Brazzaville, ainsi que de toute l'Afrique. Alerte générale. Un bateau chinois est arrivé à Pointe-Noire. Un bateau chinois, soi-disant médical. Mais attention, ce n'est pas médical, c'est un bateau lorsque 8% a demandé à ses amis chinois de lui ramener des armes lourdes pour exterminer le peuple du sud. Parce que 8% s'est attaqué. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut radicaliser tout son plan dans tout le sud. Parce que 8% n'est pas un humaniste. 8%, lui, il n'est pas là pour le bien de chaque individu. Lui, il est là pour la destruction massive de toutes les générations du sud du Congo. Et en même temps, sans oublier, 8% a aussi un grand plan. Parce que pour 8%, il sait qu'au nord, il y a une partie à lui, d'Oyo, qui mange bien, qui dorment bien, qui ont fait du Congo le pays de la prostitution à fond, la caisse. Le pays où un ministre a 11 maîtresses. Sans compter la femme de la maison. Les gens de l'opposition, pareil. Parce que 8%, il a fait du Congo. Tout ce qui crée des oppositions, qui sont opposants, qui créent une opposition au Congo, ont des enveloppes kaki, payées par 8%, subventionnées par 8%. Donc 8% est un taré malade. Malade! Oui, 8% est son plan machiavélique. 8% est son plan machiavélique. Peuple du sud, peuple du nord. Donc, il y a un bateau chinois qui a débarqué en plein port de Pointe-Noire. Mais le bateau médical chinois à Pointe-Noire n'est pas un bateau médical chinois, mais est égal bateau d'armement. D'armement. Parce que les Chinois ont amené pas mal d'armes à 8% pour massacrer le peuple congolais du sud ainsi que du nord. Mais 8% veut d'abord terminer avec ceux du sud et après il va terminer avec tous ceux du nord qui sont des vrais nordistes canis. Parce que 8% a une haine, une colère
vis-à-vis de ceux qu'on appelle les nordistes, les vrais canons. Pourquoi? Parce que 8% à la haine, parce que son père et les restes de la famille de son père venant de la Côte d'Ivoire, que les colons avaient amené au nord d'Oyo, les Abembouchi. Posez la question aux Ivoiriens, est-ce que vous avez des Abembouchi chez vous en Côte d'Ivoire? Ils vont vous dire. Les Abembouchi, c'est eux qui ont mangé le colon Robineau. Donc, 8% à la haine. Il veut exterminer tous les Mbouchi, Kani des Kani du Nord. Et faire à ce que ceux d'Oyo puissent, avec les Chinois, faire des enfants des Libanais et peupler le Nord. 8% à un plan machiavélique. Pas qu'au Sud, mais au Nord également. Donc, peuple du Nord, il est temps que vous preniez conscience. C'est le Dieu qui vous parle. Le Dieu africain qui vous donne ce qu'on appelle alerte générale. Votre frère, le frère résistant, qui a le charisme efficace, comme Grégoire André Massoua, qui ne m'a su jamais ses mots ou ses paroles. Pour cent à ramener un bateau médical chinois, soi-disant, à Pointe-Noire, qui est apparu dans le port de Pointe-Noire, mais en réalité est égal bateau d'armement. Bateau d'armement. Donc, peuple congolais, il est temps, peuple de Pointe-Noire, d'ouvrir vos yeux et d'en découdre avec le plan machiavélique de 8%. Il est temps que chaque Congolais qui aime la terre du Congo doive se lever. Il est temps. Il est temps d'en découdre avec le plan machiavélique de 8%. Donc là, c'est la première partie. Je veux faire une deuxième partie. À bon entendeur, salut.